Oh non, c'est ton jeu, je veux sélectionner les chiottes, c'est pas possible. C'est bon ce jeu, non, hein. Non, va les chier. Salut à tous, c'est Monsieur Badness 02. Mais Galette 116, pourquoi? Et donc, bah on se retrouve pour le défi troll, numéro 32. Oh non. Et ça sera sur Franklin the Turtle. Oh putain. Un jeu sorti sur Game Boy Advance, qui est un jeu... ludo-éducatif, n'est-ce pas? Ouais, éducatif mon cul, ce truc que je vais apprendre, ça fait un peu... Auquel t'es habitué. Et c'est un jeu biomérdique. Non, sans déconner. Franchement, c'est vrai que vu cette gueule-là, j'aurais pas deviné que c'était un jeu de merde. Merci de la précision. Et donc, le but du défi troll... Profil. Oui, on va aller dans le nouveau profil où il va falloir que tu rentres ton nom. On va mettre en... Quel niveau peux-tu? Oh, ça dépend. Enfin, il y a facile, difficile. Ouais. Vas-y, rentre ton nom pendant que je vais dire l'objectif du défi. Ouais. Il va falloir que tu réussisses à faire. Faut te faire tous les mini-jeux de ce jeu. Oh non ! Et bien sûr, sans perdre plus de 8 fois. Qu'est-ce T'appuies sur Start. Sauvé. Voilà. Allez, c'est parti. Et donc, ça, c'est automatique. Non mais c'est automatique, il faut que tu ailles là où... faut que tu cliques là où est Franklin. Franklin dans le jardin. Voilà. Et donc il faut bien lire les consignes. Alors, aide Franklin à arroser les plantes et à faire pousser les légumes... Bon, lis dans ta tête parce que sinon demain on va y être encore. Attention qu'il ne fonne pas, putain. Oh, on commence à rentrer dans le jeu. C'est tellement chiant. Oui, c'est moche. Ouais. Connard! Bah, faut remplir l'eau, hein! Avec... Merde! Ah! Ouais! De l'eau! Et après, faut le remplir à nouveau parce que tu vois pas en haut à droite, t'as ton arrosoir. Et sauf que au-dessus de chaque plante, t'as une flèche. Et c'est-à-dire, ça indique un nombre de gouttes et tout. Ouais! Comment mourir avant? Allez hop! Ouais. Sauf que là en fait ce que tu fais c'est à rien. Ouais. Et par contre faut que tu te dépêches de arroser la grande plante parce que ce fan elle redescend. Oh non, putain, c'est quoi cette souffrance automatique là? N'empêche la dégaine de Franklin, comment il se déplace, hein. Allez, on va tous se suicider. En fait, plus tu arroses celle-là, en fait, moins Ah mais au moins elle sera pas fanée celle-là, je vais te dire. Ah mais là elle va plus être fanée. En fait, ce que tu fais, ça sert à rien. Là, voilà. Ouais, c'est bon, là, elle est contente. Allez, arrange-nous. Faut attendre que les trois gouttes qui sont sur les flèches disparaissent, en fait. Et dès qu'elles disparaissent, hop, tu. Fallait faire ça depuis le début du jeu, donc depuis le début du jeu, je me casse les couilles pour que dalle. Voilà. Et donc, faut que tu en même tu te mines le cul parce que y a le chronomètre. Hein. Ouais, parce que c'est timé. Hein. Bah oui, évidemment, faut qu'une mère soit timée, c'est pas drôle. Où est-ce qu'il va, Franklin? N'empêche, c'est vrai que Franklin, lui, il déplace que ses jambes. Tout le reste... Le reste, ça se démerde, ça se place comme il faut. Bon, là, il y a une deuxième plot, allez, hop. Allez, dépêche-toi. Et... Ouh, les félicitations, t'as gagné. Quittez, parce que ça me casse vraiment les couilles. Et alors, voilà au deuxième endroit. Wow. Deuxième mini-jeu. La course de bicyclette. Voilà. Qu'est-ce que t'avais, quand... C'est ce que tu faisais quand t'avais 5 ans. Tu vas faire... Fais la course, fais la à, course Martin. À Martin. Martin. C'est bien français, n'empêche. N'est-ce pas? Putain, ça c'est éducatif. Si tu vas apprendre à faire des fautes comme ça sera que dalle. C'est jusqu'à la ligne d'arrivée. Moi, à contre Martin, on va dire. Faire la course avec Martin. Bon, bref. Ou contre Martin, c'est pareil. Évite les obstacles et prends des rafraîchissements. Bon, allez, vas-y, avance. Quoi tu veux. Comment tu te fous de ma gueule, sérieusement? Allez, c'est parti. Ouais, allez Franklin. Ouais, de toute façon tu peux rester. Allez Franklin. En fait tu peux rester appuyé sur le bouton. Parce que si tu. Allez Franklin, montre-nous ton cul. Faut que tu récupères des rafraîchissements. Montre-nous ton cul. Allez Franklin, montre-nous ton cul. En fait quand il pousse, il fait je crois des bruits bizarres. On dirait qu'il... Il y a les Teletubbies. Putain, fallait me dire que je jouais au Teletubbies 3.0, hein. Parce que le 2.0, c'était quoi? J'en sais rien. Ah, tu sais pas, parmi tout ce que t'as fait... Oh là, je peux pas te citer. Tête Dora. Allez, tortue, dépêche-toi, allez. Je sais que t'es une tortue, tu es censée être lent. Non, c'est pas un cliché. Alors, dépêche-toi. Oh, t'as frôlé l'arbre.
enfin si on appelle ça un arbre, c'est un... Un décor d'enfant de 6 ans. Ouais, j'ai eu un rafraîchissement sur l'arrivée. Voilà, t'as gagné. Ouais, j'ai gagné. Putain, c'est vraiment du foutage de gueule. Allez hop, continue. Oh putain, Franklin sous-marin. Le plongeon des étoiles. Ramasse autant d'étoiles que tu peux avant la fin. Fais attention aux poissons, ils te ralentiront. Non, sans déconner. Tu peux que te déplacer. Sans déconner. Ça me... Mais attends, mais tu m'expliques comment tu peux perdre ce mini-jeu en fait? Je sais pas. Attends, t'as juste à ramasser les petites étoiles, tu te touches la nuit pour l'instant. Oui, avec une et là, Franklin, il a perdu sa casquette. Ah oh, bah oui. Parce qu'en fait, dans ce jeu, t'as des mini-jeux auxquels tu peux perdre et d'autres que tu peux pas perdre. Ah ouais, si tu m'expliques comment tu peux perdre. Et donc celui-là, tu peux pas perdre du tout. Touche-moi la nuque, allez hop. En fait, c'est les genres de mini-jeux qui servent à rien, juste pour t'emmerder le monde. C'est le genre de mini-jeu que tu te dis, après avoir fait un mini-jeu chiant et casse-bien, tu fais « Oh, enfin un mini-jeu que tu peux pas perdre !» Et du coup, tu t'emmerdes. Voilà. Oui. En quelque sorte. Ramasse des étoiles, allez, bouffe-les même. Normal parce qu'il aime ça, Franklin, il bouffe des étoiles pour chier des arcs-en-ciel. Non, celle-là par contre. C'est pour les donner à Mario. Pour qu'il puisse les faire sur son plateau, pour qu'il puisse les faire sur son plateau de noir à partir. Bon, Mario il chie les arcs-en-ciel là-dedans. C'est bizarre. Mais non, mais il prend les étoiles avec lui et comme ça il les donne pendant les noirs à partir. Attends, t'es coulé, tu dois ramasser au moins 40 étoiles. Ah, ça c'est un arbre, je peux pas marcher. Tu fous de ma gueule. Il y a même pas marqué, tu dois ramasser tant d'étoiles. Tiens, tu te démerdes, allez. Non, attends. Un échec. Attends, je peux pas le voir le truc. C'est même pas marqué dans la consigne qu'il faut ramasser 540 étoiles. Bah, c'est parce que les c'est pas un échec ça. C'est parce que les développeurs c'est des sadiques. Je suis désolé, c'est pas un échec, ça je savais pas. Parce qu'évidemment c'est toujours le genre blague. De toute façon, ouais, les développeurs ils ont la flemme de vouloir noter le nombre d'étoiles qu'il faut récupérer pour finir. Ils notent pas le nombre d'étoiles, comment je suis censé savoir qu'il faut en ramasser 40? Je suis désolé, c'est pas un échec ça. Par contre, faudra que t'évites de trop louper parce que vu le chrono tourne. Oh, j'ai tant fait. Tiens, allez, t'es 40 étoiles, tu les as dans ton. Ouais, enfin. Et là, c'est une vie, faut ramasser 60 étoiles, par contre, là, j'ai mis un gros doigt là. Oh, c'est bon, il m'a déjà cassé les couilles avec 40, alors s'il faut aussi vous t'en ramener 60. Vas-y. Allez, vas-y, Franklin, montre-nous ton cul. Allez, Franklin, montre-nous ton cul. Non, parce qu'il est dans une carapace. On s'en fout, montre-nous ton cul. Allez, Franklin, montre-nous ton âne. Bravo, tu as gagné. Ah, putain. C'est passionnant ce jeu, n'est-ce pas? Non, surtout chiant. Bon, après, tu sais bien que t'es habitué à faire des jeux épiques. Le gâteau fait maison. Bon, si on entend un coup de téléphone, c'est pas grave, on continue, hein, écoute. Allez, on fait un gâteau avec Madame Auto le dessus là. Allez hop. Allez voilà. Donc il faut que tu ajoutes tout plein d'ingrédients. Hein. Hop. Il faut mémoriser. C'est un truc de mémoire. Miam 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 miam. C'est passionnant hein. En plus ce truc clignote. Alors si tu les foires, tu m'expliques. En plus le bruit de la vache fait un bruit bizarre. On croirait qu'on emmène à l'abattoir, hein. N'est-ce pas? Elle va se dire, mais qu'est-ce que je suis dans ce jeu? C'est passionnant de faire la cuisine, n'est-ce pas? J'ai le droit de me planter. Non, parce que si tu te plantes, c'est perdu. Regarde, c'est un échec. Ah oui. C'est quoi ce bruit des œufs? C'est un bruit tout à fait. C'est un truc de malade. Ouais, c'est comme ça. Broyage. En tout cas, j'en ai pour combien de temps ta merde là. Je sais pas. Hein. Hop. Tic tac. Oh, j'ai comme le sucre. Tac. Hop. Ah, encore. La mémorisation. Bon, moi, ils sont intelligents parce qu'ils leur donnent toujours les mêmes. Oh, mais... C'est le même ordre, ils mènent pas un ordre totalement random. Putain, mais vous êtes fan de... Vous pouvez me dire que vous étiez fan de miel, hein. De miel. Allez, hop, continue. Allez, hop. Hop. Oui, fini. Tu as une très bonne mémoire. Et... Encore heureux, hein. Oh.
Encore que t'as une bonne mémoire. C'est un abattoir, lui, partout. Tiens, à propos de jeu de mémoire, tiens, quand on parle du loup, hein, encore la mémoire, hein, c'est un jeu de cartes. Vas-y, tu vas voir, moi je vais faire tout ça. Alors toi. Et surtout que t'as 2 minutes pour faire tout ça. Ok, ça. Le cheval, il est où? Le ballon. Le ballon. Le chien. La casquette. Le cube, ça c'est peluche, ça c'est le cheval, c'est génial, le... tout le temps je fais ma blague. Le casque, ça c'est un cube, ça c'est le gâteau, yeah, premier coup. Pas le casque, hein, du trop fastoche, le chapeau, non. Le lapin, c'est Dipsy. Non, non, la peluche, voilà, le poiscaï, non, ça va, voilà, le poisson, allez hop, le cube. Hop là, et félicitations, ton score est de 196, donc c'est bon. Je sais même pas le c'est. Quoi ce putain de cadenas de merde? C'est un niveau verrouillé, hein. Je crois que c'est un boss quand même, les gars. Peint avec Franklin. Oh non! À part du face de la peinture. Choisis la couleur, appuie sur B pour effacer, et LR pour. Non, je m'en bats les couilles de ce qu'il dit, genre. Choisir LR pour choisir un image. Faut que tu fasses de la peinture, faut que tu suis bah, l'exemple. Oh. On prend celui-là, c'est le plus simple. Ouais. Et tu choisis bien les couleurs. T'es sûr que c'est un peu le couleur, ça? Non. Allez, vas-y. Ouais. C'est un peu foncé, ça. J'espère que t'es pas daltonien. Voilà, ça c'est bon. Ah, quand tu as peint... Alors lui, il est là. Voilà, ça c'est bien. Au moins, ça suit tout le monde. Non, c'est un verre comme ça, je crois, le sac. Non, c'est pas le bon. Non, c'était l'autre vert. C'était mon chien. Oui, c'est très passionnant de jouer à un jeu Franklin. Non, c'est très chiant surtout. Je vous conseille pas. Hein. Non, c'est non, je sais pas. Le bleu. Non, c'est pas le bon bleu. C'était l'autre bleu. Oui, voilà. C'est bon. Non, c'est bon. Moche. Allez hop. Attends. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, oh putain, c'est l'an dernier. Franklin joue au foot. Oh putain, je le sens pas là. Voilà, donc là il va falloir que tu fasses du foot avec Martin. Et là ils ont bien dit avec. Mais pas à Martin. Donc là tu te déplaces avec le joystick et il faut que tu balances la balle. Ouais, tu déplaces la ping, costume. Ouais, c'est du pong. Ouais. En faisant gaffe. N'empêche. Ouais, 1-0. Martin il fait une sacrée tête quoi. T'as le droit de bouger partout. YOLO! Il a une sacrée tête, Martin, il a les yeux exorbités. Hop, mais un but pour lui. Fais gaffe quand même, hein. Ne te fais pas abattre par Martin. On va les couilles. Et à chaque fois, il rattrape toujours ta balle. C'est maintenant mon cul, la balle, dehors. Ouais. Oui, dehors. Oh, 3-1, oh, le pauvre. Il a rien compris à la life. Le pauvre Martin. Hop, 4-1. Mais merde, mais il me l'envoie très bien. Oh purée, j'ai cru que la balle allait rentrer à faire un truc pays 18 là. Pareil. Oh non, putain. Oh là. Pourquoi les tortues, quoi? Mais non, pourquoi t'as fait cette blague? Voilà. D'accord, le truc ça arrête brutalement. J'ai sûr qu'on va gagner. Ouais. J'ai cru qu'un instant le jeu il avait freeze. Ça arrête pas, c'est le cas. Dernier mini-jeu! Non, la chanson papillon. Mais c'est le dernier quand même! C'est pas le dernier. Si, c'est le dernier. Franklin doit attraper les papillons pour sa petite sœur. Ouais. Et là, pareil, on sait pas combien de papillons faut attraper. Allez, viens, on va attraper des papillons. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ont deux couleurs différentes, et ben ça change pas. Ça donne pas plus de points, des trucs comme ça. Fais une abeille! Je vois vraiment pas la logique dans ce jeu. Il y a deux papillons de couleurs différentes, normalement. Ça va faire beau. Parce qu'il doit y avoir deux papillons de couleurs différentes, il y en a une qui doit en valoir par exemple deux, ou même un qui en vaut un. Et là, les deux de couleurs différentes, ils en valent chacun un. Par contre, t'en loupes pas mal, toi. Tu te fais choper par les abeilles et Franklin, il aime ça. Il adore faire des... Oh là là. Sacré Franklin, n'est-ce pas? Ah, du coup, je faisais lui, là, si on me remet échec, il faut faire récupérer 40, mais alors... T'as déjà eu une défaite, donc évite d'en avoir une deuxième, là. Oui, je sais. Oui, victoire. C'est le dernier. Ouh, je suis content. Ouais, t'es content.
Allez hop. Joue. Non, 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 c'est toi qui fais le défi. Hein. Moi, je joue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le dernier. Allez hop. Pousse. Je rappelle que le défi troll, c'est les deux. Non, non. Non, l'objectif c'est toi. Rien. Ah, pour... tu joues quand même. Non, je joue pas. Tu testes la souffrance. L'objectif, dans l'intro, il y a bien dit marqué méga de chance, c'est tout court. Ouais, donc mais, c'est, ouais, c'est toi qui le fais tout seul. Fou, tu dois quand même prendre la souffrance à ton goût. Donc là, faut que tu balances bah, le espèce de truc pour renvoyer les machins directement chez eux. Les écureuils. Sauf que tu les envoies dans les bonnes directions, lui. Écureuil en forme de bide, ouais. Et éviter d'en faire tomber un max. Allez hop. Tiens, va là-bas toi. Va là-bas, toi va là-bas. Tu les envoies de manière ronde, Tom, toi. Purée. Je suis pas un bon guide. Enfin, un bon guide, un bon sauveteur, quoi. Je regarde. Tiens, va là-bas. Et fais gaffe parce que si jamais tu perds, hein, écoute. Non, non, je m'en fous. Il a bah non, il est pas réussi parce qu'il t'a pas fait tous les bijoux. Non, 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 il a dit 8. 8 ? T'es sûr ? Oui, c'est 8. C'est 8, premier. Je sais pas, je vais pas compter. Ah, c'est l'écureuil, ils sont retournés. Bah, ça fait 2. Tiens, tiens, tiens. Non, 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 regarde, tu peux compter. Non, regarde. Bah non, ça clignote toujours, le Franklin il veut pas se déplacer. Donc c'est bon, ça fait 2 de fait. Bah non, regarde, je m'en fous, le défi est déjà réussi à gagner. 1, 2. Non, il est pas réussi, t'as pas fait tous les mini-jeux. Non, c'est 8. Donc tu continues. C'est 8 mini-jeux. Non, t'as pas vu l'objectif, c'est faire tous les mini-jeux de non, cette merde en perdant moins de non, 8 fois. C'est 8 mini-jeux. Les gens, si vous avez bien vu l'objectif, mettez un commentaire pour dire que j'ai raison. Et si vous êtes d'accord que c'est 8, mettez un autre commentaire. Ou bien vous mettez maintenant sous le gage dans les commentaires, vous verrez. Ah, ça, on saura qui est avec qui. Donc là, ça fait déjà 2 défaites pour toi, donc il bah, serait temps de te remuer le cul. Il y en a 8. Oh là 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 là. En fait, Méga est chanceuse, il a mal écouté comme d'habitude. Il n'y a rien du tout. Il n'y a jamais marqué de 12. Parce que j'ai pas dit qu'il fallait tous que tu fasses. J'ai pas dit qu'il fallait que tu fasses 8 mini-jeux. Les tu... premiers. Pas tous. Tu ne m'as pas dit tous. Ah là 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 là. Les gars, je suis en 16, il y a un cerveau. Tout à fait moisi. Mais qu'est-ce qu'on a plus qui rentre chez eux. Bah c'est normal hein. Bah oui, pourtant mon compteur reste à 3. Sio. Ouais, réussi. Mais je m'en fous, je te dis, il y a que 8. Y'a pas tous, y'a que 8. Alors on descend. Non mais y'a que 8. Et maintenant on va faire du skate. Y'a que 8. Là, c'est du bonus que je fais. Bah, c'est bon, on va pas faire le machin, écoute, hein. Allez, vas-y, fais du skate. Et récupère les fruits. En faisant gaffe aux obstacles. Et aussi, tu peux sauter. En faisant gaffe parce que t'as une jauge. Je suis collectif. Et hop. C'est drôle de faire du skate avec Franklin. Hey, c'est Franklin. Hey, c'est Franklin. Certes, je sais que c'est pas en rythme, mais bon, on s'en fout. Allez, ramasse. Ramasse de foufoui. On s'en fout d'obstacles. Qu'est-ce que tu fais? T'étais en train de freiner? C'est du Michael. Et là, imagine, il fallait gagner plus de fruits. Non, je crois que le truc, il fallait que tu finisses, en fait, le niveau. Ah non, avec un coup d'un. Ouais. Ah oui, c'est bon. T'as réussi, ouais. Je pensais qu'il fallait aller tout au bout, mais non. Moi, c'est les 8 premiers mini-jeux que j'ai. Bon, allez, au suivant. Ouais, non, ouais. La récolte des pommes. Je vois pas pourquoi tu gardes autant de bonus. Hein. C'est pas du bonus, c'est le défi toujours en cours. Oh les 10. Allez hop, ramasse les foufouilles. Ramasse les fruits. Parce que Franklin sait qu'il y a des pommes, malgré qu'il bouge, qu'il a que ses pieds qui bougent, et il marche comme des crabes, comme un crabe. Mais bon, avec que ce soit une tortue. Allez hop. Pour l'instant, on n'entend pas parler Miguel Chancel parce qu'il en a marre de jouer à ce jeu. Non, c'est parce que c'est les 8 premiers, mais plus personne ne m'écoutait. Bah, tu verras en commentaire, ils vont se dire « Ah, oh, Madness a eu raison, t'as mal écouté Miguel. »
Oh là 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 là. C'est parce que tu veux pas perdre le défi ça, drôle. Ça a toujours été les muscles. Ça a jamais été tout. Oh, de toute façon, il a de toute façon peu importe hein, le défi est toujours en cours et puis voilà. Alors, continue la couillette. Hein. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, nickel. Allez hop, et on continue, on déverrouille le cadenas. Et hop, et on a un puzzle, le puzzle de Flonclin. Allez hop, le puzzle. Est-ce que t'es un pro du puzzle? En fait, il a pas tilté, en fait, depuis le début. Voilà. Bon, peut-être pas, hein. Alors, tu le places où? Attends, comment tu tournes les pièces? Mais tu peux pas tourner les pièces! Allez, hop, continue. Tu prends les autres folles, mais hop, tu continues. Ah, c'est bon, là. Voilà, allez hop, on continue à faire le puzzle. C'est chiant. Bah, c'est comme ça, hein, écoute. Ça sert à rien de faire du bonus. Non, c'est pas du bonus. Le pif, c'est du bonus. Là, on met la tête de ta sœur. Là, on va mettre le pif de Franklin. Les mains de Franklin. Les couilles. Ensuite, oui, on le corps de ta sœur. Et on met mes couilles. On place le nez de la selle, le corps du Franklin, et puis on fait le dernier morceau. Il y a beaucoup de morceaux quand même. Et voilà, bien joué. Vraiment, c'était du bien joué. Et maintenant, on va continuer la suite. Tant de bonus pour ça. Ah, mais attends, je peux aller par où en fait? Ah, mais là, il faut que tu fasses tout. Non! Tu fais tout dans l'ordre. Bah voilà, une journée à l'école. Faut que tu collectionnes 30 étoiles sans perdre de barre de vie. Allez. Un Franklin qui saute comme s'il était sur la lune. En faisant gaffe au bourdon. D'accord, il y a des bourdons à l'école. Donc. Aïe, ça fait mal. Putain, il fait faire le Michael. Voilà. Boing, boing. C'est drôle de rebondir avec Franklin. Oh là là. Ah, boing. Allez hop! I've got Mary Foster! Ouais, je suis content. Ah non, non, ça, c'est pas le bon. Si, je en plus, il n'y a plus le nombre. Hop, tu vas voir Maître Hibou et je vole pour finir, pour bien réussir. Ouais! Parce que c'est bon, hein. C'est bon de voler. Allez hop, nouvelle. Nouveau jeu. Le jeu des cartes de poissons. Des poissons, je te mets dans ton cul. Va falloir choisir. Faut que tu vires. Faut faire en sorte que tu ailles même couleur. Que certaines cartes. Voilà. Donc d'abord, première chose, tu vires une carte et tu fais en sorte que ça ressemble à une que tu as. Pour faire une paire. Ah, ça marche pas. J'ai déjà une paire. Ah, mais il faut une plus grosse paire. Voilà, c'est bon. C'est si merdique que ça comme. Ouais, il en faut. Mais non, pourquoi tu le virais d'être dondouille? Bah ça y est, tu l'as gaspillé pour que dalle. Bien joué, hein, écoute. T'as fait de la merde. Il faut une paire de 4 pour que ça marche. 4. Bah, 4 mêmes poissons. Pour que ça marche. Et il donne toujours le même, hein. En même temps, t'as fait l'handicapé. Bon bah, boum. Un point pour le... bis. Et t'as toujours les mêmes cartes, hein, écoute. Voilà, ça c'est bien. Hop, je te redonne ça. Hop. Tac, non, il te donne toujours le même. Parce que c'est des gros sadiques. Hop. Voilà, on revient à égalité. Ouais, un poney. Voilà ta nouvelle pioche. Attends ma queue. Maintenant. Quel poisson veux-tu? Oh, il fait un échange. Oh bah tiens. Oh le troll. Oh, bah, le troisième défaite. Troisième défaite. Oh, t'as pas de chance. Non, la première elle était par surprise, la deuxième je l'ai. Et après l'autre. Hop. Non, c'est pas bon. C'est le poney. C'est random le machin. Reprends ta merde. Reprends ta merde.
dans ton cul. Allez, un point. Plus qu'un et plus t'as gagné. Putain, faut m'expliquer pourquoi on joue au poisson, s'il te plaît. Oh. Putain, mais un con. C'est le jeu de poisson, hein, avec Franklin. Le jeu le plus badass de l'histoire. Tout à fait. Ah bah tiens, il te donne un bon truc. Oh, oh, le troll. Oh, le troll. Bon, allez, essaie d'avoir le bon. Oui. Et c'est la victoire. Mais cool, surtout si tu Tu sais jouer aux cartes avec les poissons. Hop, maintenant la chasse entre les eaux. Les poissons, je vais vraiment en son cul. On va aller choper des trésors. Allez, c'est parti. Wouhou. Il faut que les coffres soient ouverts. Et qu'il y ait une pièce. Pièce et que tu remontes. Pièce. Vous remontez à redescend. Pièce. En faisant gaffe à la poiscaille. Pièce. N'empêche, il met 10 plombes à pouvoir descendre. Pièce. Par contre, pour remonter, il monte très vite. Pièce. Faut que tu sur ton bateau. Pièce. Oh, parce que sinon, ça marche pas. Pièce. Allez, descends, Franklin. Pièce. À chercher mon nuit. Ah non, en fait, il me pousse. Et quand de monnaie. Oh, il te l'a bouffé. Oh. Le poisson, il bouffe les pièces, c'est normal. C'est la logique dans Franklin. Par contre, tu peux en prendre qu'un seul à la fois. Oh, il te l'a volé. Le gros sac. Et comme de monnaie. Et comme de monnaie. Da 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 da. Chain da da da. En fait, je retire ce que j'ai dit, c'est ça le jeu le plus badass. Tout à fait d'accord. C'est le jeu le plus badass. C'est le mini-jeu le plus badass de Franklin. On s'amuse à pêcher des pièces, pour les ramener dans les barques en évitant que les poissons les bouffent. Wow, tellement de swag. Et en plus, c'est genre ce genre de mini-jeu auquel le chrono est tibidi plombe. Hein, pour que ça dure. Allez. Voilà, je vous montre mes pieds. Allez, descends, Franklin. N'aie pas peur de descendre, c'est des poissons. Ça va pas te bouffer. Mangez, poisson, mangez, tortelle. Alors, pour l'avance. Regardez, je cotonne ma pièce. Ah, bon, voilà, tu l'habilles. Sexy. Attends. Je suis un ornithorynque. Sexy lady. Super, tu as ramassé 6 morceaux d'or. C'est des morceaux ou des pièces d'or? Bah, ça. Ça ressemble plus à des pièces. Oh non, c'est un peu du sumo. Non, c'est pas du sumo, c'est le jeu des billes. Oh putain. Il va falloir faire un tour de billes pour les belles tout le cercle. Et il va falloir gérer la puissance. C'est comme le curling en fait. Oh putain, c'est chiant là. Loupé. Ah bah ça. Oh. Oh, fumier. 2, 1, 2. 2, 1, 2. Ok, ok, là je suis pour recommencer. Malheureusement, ça compte pour un échec. Non, ça compte pour une égalité, ça compte pour rien du tout. Si. C'est pas un échec parce que j'ai pas perdu. Bah si, j'ai perdu, faut pas tomber à égalité. Bah non, c'est pas marqué ça, c'est marqué perdre, mais c'est pas marqué égalité. Ah. Ah voilà. Oh le bâtard. Égalité. Encore une nouvelle défaite. Non, c'est égalité. Je m'en fous, y'a pas de défaite. Oh bruit, c'est fail. Y'a pas de défaite, parce que c'est égalité. Oh bruit, je l'ai poussé là, il était méchant lui. Toi, tu m'as dit, il faut mettre. C'est des défaites. Mais pourquoi tu le mets au milieu, toi? T'es bête. Il va remarquer le point. Voilà. Non, c'est pas de défaite, parce que t'as dit perdre. Sauf que j'ai pas perdu. Ouais, mais même c'est une égalité. C'est une égalité, c'est pas une défaite. Faut c'est que tu, différent, faut, que tu, faut que tu mettes bien tes billets. Oh, tu joues comme une merde. Ta gueule. Ah. Je sens que le défi va être perdu. Ah non, c'est pas marqué ne pas perdre. C'est pas marqué qu'il faut pas avoir d'égalité. C'est marqué ne pas perdre. Voilà, maintenant. Oh, oh, oh. Oh.
Oh bah Non, c'est pas perdu. Pour le regard fumeux. Non, c'est pas perdu. Le défi drôle, il a raté. C'est pas perdu, tu m'as dit il faut perdre. C'est une égalité, c'est pas perdu. Ah. Même en tapant. Pour gagner. Ah bah non, ah bah c'est pas compté du coup. Pour gagner. Ah bah non, mais c'est pas. Tu me l'as pas dit. Monsieur. Tu m'as dit c'est une égalité qu'il faut. Enfin, c'est. Il faut perdre. Moi c'est une égalité que j'ai vu, c'est différent. Donc, ah, mais voilà, même match nul ça compte quand même pour une défaite. Non, ça compte pas. Bah non, c'est défaite. Sauf que moi c'est égalité, ça compte pas. Je m'en fous en compte. Même que t'es obligé de recommencer le truc. Bah même, je m'en fous, c'est pas compté comme une défaite. Bon, maintenant il va falloir aller chercher les blanches. Qui sont au bas. Ah ouais, d'accord. En faisant gaffe aux rondins. Ah, c'est pas les rondins qu'il faut prendre. Ah, faut prendre des blanches là et le placer là en bas. Là en haut, plus en haut. Putain, c'est très chiant quand même. En plus, tu les perds. Allez hop. C'est tellement long, n'est-ce pas? Allons pour le play, si on continue. En faisant gaffe. C'est tellement intéressant que j'ai envie d'en chier les postes. Là, pour continuer. Ah, mais dis pas qu'il faut en placer juste 3, non, tu sais, ça va manquer. Est-ce qu'il va te troller le machin? Ah, oh, c'est bon, il t'a pas trollé. Il fallait en mettre 3. Alors, on déverrouille un autre cadenas. Et maintenant, c'est la glisse des carreaux. Ah, vous glissez les carreaux dans ton cul. Va falloir faire du puzzle. Ah, tu joues du coup, en plus, c'est peut-être de con. Allez, vas-y, fais le puzzle. C'est passionnant. Miguel Chantzès, c'est un professionnel du puzzle. Pas du tout. La croix, j'ai l'air, ça me fait tout mieux. Bon, bah, on sait pas si le machin va durer plus d'une heure, hein. Ah, peut-être. Ça. Ouais. En fait, tu le. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Faut que tu te fails. Attends. Tu te fails pendant un bon moment, dis là. C'est quoi cette merde, ça? Bah, c'est toi qui l'as pris, hein, écoute. Tu sais plus faire des puzzles. Non, j'ai jamais su faire des puzzles. Parce que t'es nul. Je vais prendre par le côté, toi. Et pas par derrière. Ah, là, là. C'est drôle, le Franklin. Non, pas du tout. C'est très barbant. Putain, on a un fucking côté, là. Allez, allez, fort. En fait, t'aurais pas dû prendre celui-là. Non, c'est pire, en fait. Non, c'est juste que tu l'as un peu mal fait, le machin. T'as tout foutu dans le désordre, c'est génial. Oh là là. C'est monsieur, docteur, aidez-moi, je suis où? Ah, je suis dans un asile, merde. Je me garde. Mmh. Putain. Je déteste cette gueule de con, c'est officiel. Tout à fait d'accord. Bon, tu veux pas, t'arrives pas. Ah, bon, recommencer. Voilà, tu veux un meilleur modèle. Ok. Tu peux avoir des indices en appuyant sur A. Voilà, ça met un indice. On va voir comment ça marche. Voilà, ce qui est bien, c'est que quand tu recommences, t'as pas d'échec. Bon, de toute façon, même si le défi troll, il est déjà perdu, hein. Non, il est pas perdu, lui. Mais il est pas perdu, t'as rien. T'as défaite, t'as pas d'égalité. Même on va rien foutre. Bah non. Peut-être n'est pas égalité. J'arrête, t'es en train de tourner en rond depuis tout à l'heure. Tourner en rond. Attends, ah. Attends, bah, c'est quand tu veux. C'est qui le doit vaincre. Ok, donc tout est dans le désordre, c'est génial. Ah oui, hein, écoute. Ah, tu sais pour faire des puzzles, t'es nul. Attends, je n'ai plus, c'est donc pas un peu. Bah si, j'ai déjà fait des puzzles, hein. Et je suis un professionnel. Perdu. Attends, tu l'as fait filmer n'importe comment. Attends, je crois avoir trouvé. Essaye, hein. Si j'ai placé de pièce là, puis celle-là. Je pense que c'est devenu bordel. Bah non, réfléchis un peu. Ça. Ah, je fais un truc. Bah non, t'es bloqué encore. Oh! Non, ça marche pas!
Gâche pas mon rêve, merde. Je me rêvais chez les merdes. On a marre de ce jeu. Bon, bah les gens, une heure plus tard, Mega Chance 16, comme je le l'ai dit, il sera bloqué pour un simple jeu de puzzle. Parce qu'il sait pas le faire. Attends. Oh, Non, attends, ça. Eh, j'ai encore un fail, je le sens. Mais si tu le trop fail, et bah, je prends à la main juste pour ça. Parce que tellement que t'es nul. T'es toi, je t'ai jamais vu faire puzzle, donc parle pas. Si. Je sais mieux en faire que toi déjà. C'est tellement plus que. Je sais mieux en faire quand on fait si souvent. Ah voilà. Juste que toi t'es nul. Bon, je joue puzzle. Ah. Bon, évite de. Allez, alléluia, alléluia, mes fleurs, et enfin Lucie, après 10 minutes à peu près, je crois. Allez, maintenant tu vas faire du hockey sur glace. C'est là. Pourquoi j'appuie sur A pour viser, faut que tu vises. Faut que tu vises, pour éviter que Martin te... Arrête le pelé. En plus, il est juste à côté. Il aura dit tout. Regarde, oh là, je skive. Parce que je suis con, hein. Regarde, hop. Hop, je skive. Il est très intelligent, Martin. Bon, je retire ce que je dis, en fait. Il est vraiment intelligent. Même très intelligent. Non, il se fait plus berner. Oh, la lucarne. Oh, la lucarne. J'ai plus qu'à me tuer, c'est mon génie. Lucarne. Oui, la lucarne, je m'en fous, tiens, allez, tiens. Allez, tu le places en mode YOLO. Par contre, tu m'en fous. Ouais, non, putain, il faut s'arrêter. Non, il reste encore une. Hop, attention. Oh, boum, coup avec le pied. Félicitations, tu as gagné, non, sans déconner. Allez, hop, le dernier mi-jeu. Tu peux me faire gagner le défi. Le dernier des derniers. Les cubes de Franklin. Les cubes de Franklin. Là, je sens quoi. Déplacez le curseur pour sélectionner un cube. Clique. Donc faut que tu changes de couleur machin. Bon, faut que t'as envie. Hein. C'est un putain de puzzle en fait. Et, ouais, c'est un peu comme un puzzle, sauf que le truc c'est qu'il ne doit plus rien avoir. Il ne doit rester plus rien à la fin. Et hop, continue. Tac tac. Plouf. 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 Je crois que là tu t'es fail. Ou pas. Non. Ça. Ah. Coucou. Le bébé est là. Non, en fait tu t'es fail. T'as perdu. Comment tu fais ça? Bah, faut réfléchir. Faut réfléchir dans ce genre de jeu. Faut mais non, j'y vais YOLO. Ça marche toujours. Ah non, ça marche pas. Faut se la jouer stratégique. Et Mega Chance 16, la stratégie, ce n'est pas son point fort. En fait, tu n'as pas compris qu'en fait, il faut qu'il y ait au moins deux cubes à côté pour que ça marche. Si on n'a pas deux, bah évidemment, ça marche pas. Non, sans déconner. Voilà, tu t'es refait niquer, là, t'es mort. Si, là, t'es mort. A, B, C, D. Reprends. Ah, c'est DC. Allez, hop. Allez, hop. Et on continue. Hein. N'empêche, ça va être drôle qu'un. Ça va être. Je crois que ce défi troll là, ça va être le défi troll qui va durer le plus longtemps. Hein, parmi tout ce qu'on a fait. N'est-ce pas? Aussi, carrément. Ça va être plus long que toi. Celui-là, plus long. Oh bah voilà, tu t'es fait niquer. Tu t'es refait niquer. Fallait pas faire le B. Là, par contre, tu peux compter les défaites. Ouais, bah... Et... Enfin, c'est, pas des... c'est pas raté. De toute façon, dans tous les cas, là, t'as déjà perdu. Non, non, j'ai pas déjà perdu. C'est les égalités, c'est comme quoi. Allez, hop. Pour moi, c'est comme si tu changeais la règle dans un jeu, ça serait genre...
J'ai rien changé du tout. Ah si, t'as dit des fêtes et là t'as voulu compter une égalité. Petit tricheur. Et hop. Tac. Là t'es mort. Hein. Si t'es mort. Non, t'as gagné. Allez, on ferme sa tronche, merci. Ah, elle a vu le jeu enfin. Voilà. Miracle. C'est gagné. Bah non, c'est perdu. Bah non, parce que les égalités ça compte pas, je t'ai dit. Petit tricheur. Alors, bon, t'as voulu... Bah non, t'as voulu compter les égalités alors que ça compte pas. Pour moi, les égalités, c'est ni victoire ni défaite. Si, c'est défaite quand même. Y'a pas de défaite, petit tricheur. Quand c'est victoire, c'est victoire. Ouais, et quand c'est défaite, mais quand c'est égalité, y'a que dalle. Bah si. Bah non. Bon, c'est on croit que ça va être là-dessus parce que Miguel Chantzel il va péter les plombs. Et si vous êtes d'accord que, c'est, que le défi est raté, dites-le. qu'il est raté, dites-le. S'il est réussi, dites-le. Voilà. Il est réussi ou raté. Et donc, si ce défi troll bah, vous a plu et que vous avez vu que vous avez aimé que Miguel Chantzel souffre, et ben. N'hésitez pas à le faire savoir, à le faire partager, évidemment. On veut ça, dit. En même temps, t'es habitué à faire des jeux épiques. C'est quoi, jouez-y, tiens. Vous savez quoi? Maintenant, on va faire un truc. Les défis trolls, si vous les aimez, vous jouez au jeu. Non, n'y jouez pas, c'est pour votre santé. Amusez-vous, je me suis amusé à ça. Ne devenez pas cinglé comme Miguel Chant 16, c'est votre pire. C'est pas bon. Ouais, mais je propose ça pour faire en sorte qu'il ne les achète pas ou les télécharge pas. Voilà. On s'en fout. Donc, aussi... si vous avez des défis trolls à proposer, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en cette vidéo. Franchement, si vous êtes gentil. Ou bien réagissez avec le hashtag défi troll. Et puis aussi, abonnez-vous à ma chaîne et celle de Miguel Chantzel auquel vous verrez pas le front, hein. Malheureusement, sinon je serais bien mort, moi. Déjà que tu fais plus de vidéos en ce moment. Ouais, mais bah, je vais rien. Ah bon, on verra ça. Mais hein, c'est en écoutant cette musique qui rentre dans le cerveau. Que je vous dis à tous à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous, ciao, bye bye.